Et c'est sous le soleil que nous commençons cette nouvelle semaine et cette nouvelle vidéo, dans laquelle Maurice retraverse une troisième fois la France, direction le sud-ouest. Mais en attendant, ça fait plaisir d'avoir le soleil avec nous après 3 semaines d'absence. Le vent est toujours là, tu peux l'entendre. Mais c'est pas grave, ça fait trop plaisir. Mais juste avant de commencer cette vidéo, il faut que je te raconte ce qui s'est passé ce matin. Je me suis installée, j'ai commencé à boire mon café, tu vois, à écrire mon petit carnet de voyage et tout ce que tu veux. Puis bah là, j'ai une envie pressante, hein, l'envie du matin. Donc, je suis sortie pour faire pipi. Finalement, j'ai pas pris mes clés, hein, je suis juste sortie faire pipi. Hein. Et puis, Maurice s'est fermé. Voilà, il a pu, voulu me laisser rentrer. Encore maintenant, je ne sais pas comment c'est possible, parce que si on ne le ferme pas manuellement, Maurice ne peut pas se fermer tout seul. Évidemment, quand tu sors pisser, tu n'as pas ton portable, t'as rien. Et puis j'étais encore en pyjama, donc voilà. La seule solution, c'était d'aller voir les voisins. Et heureusement, je ne suis pas en pleine nature. Je suis allée voir les voisins. Et un gentil monsieur m'a aidée. On a mis peut-être une demi-heure. Parce que, évidemment, le pied de biche, on allait défoncer un peu la carrosserie. Et donc, nous sommes passés par cette fenêtre juste ici. Mais je crois que maintenant, elle est cassée. Elle ne ferme plus. Alors, bah écoute, c'est pas grave. C'est juste les petits trucs à changer qui sont là. Donc, c'est toujours moins cher qu'une porte défoncée ou une vitre. Puis, bah, en attendant, je pense que avec du gaffeur, on peut tout faire. On peut même fixer une fenêtre, je pense. Donc c'était la petite anecdote. Maurice a voulu me faire une belle plaque. Du coup, mon café est froid maintenant. Après ce petit imprévu, je suis allée voir un des plus beaux villages de France qui était juste à côté. J'ai ensuite repris la route vers Bordeaux quand j'ai recroisé un panneau sur la route qui m'a clairement inspirée. Et cette fois, je n'ai pas été déçue. C'est cool, hein, je suis contente.
arrivée à 6h30, ça faisait un moment. Mais c'est pour la bonne cause, je me rends compte au festival Vagabonde. Je suis bénévole pour une journée et une nuit. Donc c'est parti, je vais te montrer ça.